Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur le Salon des Entrepreneurs de Lyon, édition 2014, sur le plateau TV des Échos de la Franchise avec WeDoBiz. J'accueille donc sur notre plateau Carole Gréder, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes adhérente Poivre Rouge. Oui, tout à fait. Au sein du groupement des Mousquetaires. C'est ça. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter l'enseigne, le concept ? Tout à fait. Alors, les restaurants Poivre Rouge font partie du groupement des Mousquetaires, c'est-à-dire le groupement où on va retrouver Intermarché, on va trouver le Brico Marché, on va trouver les Rodis, et dans la restauration, le Poivre Rouge. C'est une restauration grill, restaurant grill, très typé. Un restaurant qui est ouvert 7 jours sur 7, avec une carte qui est très compétitive, un rapport qualité-prix, puisque notre premier menu est à 8,10 €. Mmh. Ensuite, c'est un restaurant qui est très convivial, des espaces qui sont travaillés, un espace enfant, qui est notre spécificité. Et aussi, on a un buffet d'hors-d'œuvre à volonté. Ça donne l'eau à la bouche. Au niveau des chiffres, pour revenir sur les chiffres, c'est quoi les chiffres clés du réseau Poivre Rouge ? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, un restaurant moyen accueille 200 clients par jour, un ticket moyen à 18 €. Donc, on est 20% moins cher que nos concurrents, donc d'où notre rapport qualité-prix. La place, c'est 160 places assises, une terrasse de 40 places, 50 places de parking. Voici quelques chiffres pêle-mêle. Quelles sont les spécificités ou les avantages de l'entrepreneuriat au sein d'une enseigne comme la vôtre ? Alors, l'avantage numéro un, c'est qu'il n'y a pas de droit d'entrée, encore une fois. Donc, l'apport que l'on demande, qui est minimum de 100 000 €, cet apport est utile à la constitution de votre société, une SAS en l'occurrence. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que vous appartenez à un groupement qui est fort et puissant, qui nous permet d'avoir des tarifs au niveau de notre carte, de nos fournisseurs, qui sont fort avantageux et qui nous permettent de faire des tarifs pour nos clients. Oui, parce que tout est mutualisé finalement pour l'ensemble des adhérents. Tout à fait. Alors d'aujourd'hui, on est 75 restaurants. Nous proposons tous les 75 la même carte au même tarif. Nous avons deux cartes par an, une carte printemps-été et une carte automne-hiver. Au niveau, enfin vous en tant qu'adhérente du réseau et du groupement plutôt, quelle relation vous avez avec ce qu'on pourrait appeler les têtes de réseau ? Alors, il faut savoir que c'est un groupement d'indépendants. Donc, les personnes qui décident, qui sont décisionnaires, sont comme moi des adhérents qui ont été élus au CA, au conseil d'administration. Donc, en fait, on n'a pas une tête pensante. C'est un ensemble d'adhérents comme nous, donc de chefs d'entreprise qui ont leur restaurant, qui prennent les décisions. Et c'est pas trop difficile de prendre des décisions à plusieurs ? Alors, évidemment, et après, chaque région a un représentant de sa région, et c'est le représentant région qui fait le choix. Mais on va être très réactif, puisque là, on a mené des campagnes promotionnelles très dynamiques et en urgence, avec une très belle réactivité. Bien, écoutez, merci beaucoup, Carole Gréder. Je rappelle que vous êtes adhérente du réseau Poivre Rouge au sein du groupement Les Mousquetaires. Tout à fait. Et nous étions ici sur le Salon des Entrepreneurs de Lyon. Merci.